Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette fête de quartier? Je suis venue ici, c'était intéressant pour les enfants. Vous êtes dans le quartier depuis longtemps? Oui, des 10 ans. Et c'est la fête comme ça toutes les années? Ouais. Et est-ce qu'il y a une année où c'était plus joyeux, où vous avez retenu pendant ces 10 années? Toutes les années, c'est différent. Qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau aujourd'hui? Je fais des maquillages. Des maquillages. Ouais. Elle adore les enfants, ça. Ah, joli petit papillon, montre-moi comment tu t'envoles. Allez hop, on essaie de décoller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez-y. Alors, vous êtes maquillée en quoi? En papillon. Ah, mais toutes? En papillon. Papillon. C'est près de chez vous, c'est à Drancy. Quelque chose à dire, il me semble, à monsieur qui est derrière. Bah, mis à part que j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Bonjour Marvin. Qu'est-ce que vous pensez de cette fête de quartier? Est-ce qu'elle est bien organisée? Ça va, c'est plutôt bien organisé dans l'ensemble. Si je vous dis Covid, vous répondez quoi? Fini, presque fini. Vous faites attention quand même. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Faut protéger les vieux encore. Qu'est-ce que tu penses de ton quartier? C'est un bon quartier, c'est un très bon quartier dans l'ensemble, avec des gens agréables à vivre. Ça fait plaisir de se retrouver ici. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Drancéens? Moi, j'ai un mot à dire, oui. Moi, je m'appelle Mehmet. Bonjour Mehmet, alors qu'est-ce que t'as à dire? Moi, c'est notre animateur. Franchement, il est agréable. J'aime bien être avec lui. J'aime trop cette ville. On fait des événements. Hier, c'était la fête des voisins. C'était pas mal. Ah, merci à Audric aussi, c'est notre directeur aussi. C'est près chez vous, c'est pas grand. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Audric. Audric, et on a Agira. Agira et Maria. Maria. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction là? Responsable du quartier sur le service jeunesse. C'est-à-dire que je m'occupe de deux structures, 8-14 ans et 15-17. Donc, celui que vous avez interrogé jusqu'avant, c'était un 15-17. Animatrice, 12-14 ans. Voilà. Il y a une 12-14 avec nous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'animation? C'est bien, on fait plein de sorties. Vous avez que des compliments, hein, quand même. Là, le château gonflable, ça fait pas trop de bruit? Un peu trop de bruit. Imprévisible, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ben Abdallah Nadia. Je précise, je suis animatrice dans le 19e. Dans le 19e. Alors, quelle est la différence entre ici et dans le 19e? Les enfants sont tous à peu près pareils? Près pareil, mais les meilleures équipes, c'est dans Drancy. Oh là là, ça fuse les compliments. Et qu'est-ce que vous aimez dans le quartier, là, de Drancy? C'est un quartier convivial, il y a de l'ambiance. C'est un plaisir de venir travailler ici, on va pas se mentir. Et les enfants sont respectueux. Ouais, quelques petits incartades, mais dans l'ensemble ça va. Et je m'y plais beaucoup sur Drancy. Est-ce qu'on peut dire que les enfants sont créatifs ici? Créatifs, oui. Ils demandent beaucoup. Ils demandent beaucoup. Très innovants. Ils aiment bien le dessin, ils aiment bien l'art, ça dépend, la musique un peu. Donc on essaie de mettre tout ça dans des projets et varier un peu tout. Alors moi j'ai une question qui brûle les lèvres. Qu'est-ce que vous pensez des châteaux gonflables sur la voie publique? J'aurais demandé les châteaux gonflables. C'est vrai? Oui. Tu me copies absolument toutes mes questions. J'ai demandé si vous êtes du bruit, mais... Tu me voles mon travail. Exactement. On va trouver autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y a pas assez de bonbons dans cette fête? Trop de sucreries, c'est dangereux. De bon. Mais il n'y a plus de période. Hein. Ça fait des caries. Mais t'es trop sage. C'est pas possible. Merci. Voilà, revenez dans 5 minutes, vous allez voir ce qu'on a dans les mains. Est-ce que vous avez un dernier message à apporter pour votre ville et pour les Drancéens? Ben, merci pour le quartier déjà, tout le quartier, les parents, les associations qui sont venus en nombre. Et qu'on reproduise plusieurs fois de suite la même chose, ça serait bien. Et vous? Alors qu'il y ait plus d'initiatives comme ça, ça nous permet de se connaître. Donc pour que ça reste un peu convivial, parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de voir des fêtes de quartier comme celle-ci. Et là, je trouve qu'il y avait du monde et c'est plaisant. C'est près de chez vous, c'est à Drancy. Interview la star. Alors Mehmet, il paraît que tu es sur TikTok et tu as beaucoup d'abonnés. Oui, je fais des TikTok, c'est pour s'amuser et pour faire passer des messages de temps en temps. Pour l'instant, j'ai 5000 abonnés, mais j'ai fait quelques vidéos qui ont buzzé. Une vidéo qui a fait 500 000, l'autre qui a fait 1 million de vues. Et voilà. Et ça fait quoi d'être une star alors? Bah, on peut pas appeler ça une star encore. Oh, regarde, Josiane, regarde. On peut avoir un autographe. Mais on peut pas appeler ça une star pour l'instant. Mais voilà. Star du web. Oui, j'espère plus tard. Donc t'es content, en fait, les Drancéens et les Drancéennes doivent être contents d'avoir... Ouais, surtout les filles, ouais.
ce qu'ils doivent donc tirer un thème et ensuite tirer le style du thème pour l'interview. C'est quoi ? La disparition des visages. Alors, allez, c'est parti, fais la disparition des visages comme si tu devais donner une information. Ah, ok. Allez, go ! J'ai vu sur le plateau un mort à Drancy. Il a disparu, les parents sont tristes ce soir. Depuis la nouvelle, on l'a appris à 17h. C'est un peu triste pour le quartier, tout le monde est allé à sa tombe. Et c'est une belle impro ça, dis donc. C'est quoi ton prénom ? Youssef. Youssef, mais il y a des talents d'acteur là. Alors le thème, Covid. Ça c'est la façon que tu dois le faire. Ok. Donc tu fais le Covid de façon intellectuelle. Sur quel genre de chaîne tu passes ? Vas-y, dis stop. Stop. TikTok. Alors, c'est pour parler des actualités sur du Covid. Nous allons parler du Covid qui est répandu, les habitants n'ont pas de masque et on se retrouve sur les lieux où il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas enfermés, ils n'ont pas de masque. C'est grave, l'humanité doit agir, l'humanité doit se préparer car bientôt il y aura le transfert à Mbappé et j'espère qu'il va rester au PSG et c'est vraiment très 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 important. Mbappé, si tu passes par là, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi, j'ai envie de gagner la Ligue des Champions avec vous. Et voilà, et pour le Covid, c'est un peu difficile, mais en ce moment, il est en train de disparaître. Avec Amel Guessas, Alia Mézage. Oh là là, mais on a quelqu'un de nouveau ici. Salut. Donc c'est une scène de théâtre qui est en train de se... Voilà, il y a une demande. Tu sois elle. Merveilleux. Fête de quartier, est-ce qu'elle est sympa? Super. Heureusement qu'on a plus ce virus. On peut pas dire que c'est définitif. Mais au moins, ça réunit les gens. Ça nous a manqué beaucoup. C'est vraiment, on est content. Et alors, qu'est-ce qu'il y a gagné à la kermesse, là, vous avez joué? C'est pas moi, mais c'est comme si c'était moi. Peu importe, c'est qui a gagné, on est heureux pour lui. Et j'ai jamais gagné, de toute façon. On a gagné tout d'être vivant et être là, aujourd'hui. Ouais. C'est le plus important, c'est ça, notre gain. Alors, sur le baromètre du bonheur, là, comparé à l'année dernière, quand on était en plein confinement, là, on est à quel niveau sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui? Moi, je vais 10. On peut dire 8 sur 10, parce que le virus, il est toujours là. Mais on est loin, un petit peu par un petit peu. Okay. Et heureusement qu'on est là. C'est près de chez vous, à Nancy. Alors, nous sommes à côté de Madame Touzé qui dirige le parking. Voilà, des petites voiturettes, location de voiturettes à Drancy à venir, place de l'Amitié. Et je contrôle avec ma télécommande. Personne n'a essayé de partir avec la voiture? Non, pas question. À partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la télécommande, c'est les parents. Ça, c'est la vitesse maximale, c'est-à-dire marcher au pas. Ah. Allez, hop. Attention, marche arrière. Oh là là. On a fait 50 centimes le tour au lieu de 2 euros que je fais habituellement dans mon local commercial. Et dans votre local, vous avez un petit rallye du coup qui est installé ? Oui, c'est la place de l'Amitié. Ça vous est venu comment cette idée du coup ? Eh ben, c'est un concept qui vient de l'Espagne. Je suis la première à faire ce concept ici sur Paris. Sinon, c'est plutôt dans le sud. Et vous avez des clients du coup ? Oui, ben, je travaille avec le quartier. C'est convivial, je suis entre voisins. J'habite la cité, donc c'est bien. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot là pour Drancy, pour le quartier ? Eh bien d'abord, je remercie le groupe qui m'a quand même fait participer pour cet événement, parce que c'est pas ma première participation, malgré mes 3 ans d'existence ici sur la place. C'est près chez vous, c'est à Drancy ! Ici ! C'est près de chez vous, c'est à Drancy, nous sommes dans un moment extraordinaire. Incroyable. Oui, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fabuleux. On a la descendante de Schumacher et tout là, c'est...
La descendance de Schumacher, mais c'est hyper has-been ce que tu racontes. Bah, c'est le seul que je connais. Bon, on a la descendance d'Alain Prost, de tous les formidables coureurs de F1. Ils sont en train de faire une bataille déchaînée en Mario Kart. Une bataille qui va nous permettre tous de pouvoir savoir où est la relève de la petite route, de la grande et de la petite ceinture. Tu penses que t'as choisi la bonne comme voiture? Ouais. Allez, 1, 2, 3, partez. C'est parti, c'est t'as le temps. Un virage incroyable, un virage. Ah là, il y a eu un champignon. Oh là là. Alors là, il y a eu vraiment un gros problème de voiture. Ça prend feu. Trop vite, ça va trop vite. Qui se sent gagné là? Moi. Quoi? Moi. On le laisse se concentrer. C'est vrai, chez vous, c'est à Drancy. C'est près de chez vous, c'est à Drancy. On interview aujourd'hui Wardia. Wardia Zidane. Qu'est-ce que vous pensez, ma chère, de cette formidable journée? Franchement, c'était une belle journée. On remercie toutes les associations, c'est le nombre de personnes qui ont participé aussi. Et ça fait plaisir pour les grands et pour les petits. Vous avez dit Zidane, c'était votre nom de famille. Bien alors, sûr. La question, c'est oui. Est-ce que Zinedine, c'est votre famille? Bien sûr. À ton avis, pourquoi j'ai intégré dans le foot, moi? Pourquoi ils sont tous dans le foot? Est-ce qu'on peut voir, du coup, un petit exploit? Bien sûr. Oh là là. Ouais, ça fait troisième coupe qu'on a ramenée sur Drancy. Mais c'est toi qui la ramène à chaque fois? Le capitaine, toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, moi, je vais même pas faire ça. Est-ce que tu as un petit mot pour les Drancéens? Vive Drancy, vive la mairie de Drancy. On aime bien Drancy, on est bien sur Drancy. Que Drancy continue à nous faire rêver. Mon mari, il a été dans cette école-là. Mes enfants, ils ont été dans cette école-là. Regarde, les petits-enfants, ils sont là. C'est près de chez vous, c'est à Drancy. C'est près de chez vous, c'est à Drancy, la fête est finie. À vous les studios.